Bonjour et bienvenue sur Tesla en France. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un ultrabook de la marque Toshiba qui est très particulier. Donc, c'est le satellite U840W, plus précisément le U840W-109. Mais bon, ils sont à peu près tous différents, donc on va retenir ce nom-là. Déjà, une boîte qui est en fonction de l'ultrabook, on va voir, car il a un écran très large. Donc quelques petites notifications, les caractéristiques rapidement évoquées à l'arrière. Donc on va l'ouvrir. C'est un modèle qui valait à sa sortie 899 €. Maintenant vous le trouvez à 500 €. Donc ici on nous présente les différents accessoires qu'on peut acheter avec. Donc un emplacement pour des prises USB 3, un lecteur DVD externe. Donc voici la bête. On va le revoir juste après. À l'intérieur de la boîte, nous retrouvons quelques petits manuels d'utilisation, les caractéristiques ainsi que le fonctionnement et la garantie. Et là, nous avons le chargeur Toshiba, donc en prise toute simple sans terre, avec un tout petit transformateur très appréciable, avec la petite connectique qui est très solide. Voilà. Donc voilà l'ultrabook. Donc ultrabook ordinateur fin et léger, même si celui-là est quand même assez lourd car il fait 2 kg. La grosse caractéristique de cet ordinateur, c'est son écran. Son écran est très rare pour un ordinateur, c'est du 21/9. Donc la résolution va être avec un écran de 14,4 pouces, va être de 1792 par 768, donc c'est du HD+, et on va retrouver un écran brillant. Donc quand vous êtes au soleil, ça risque de gêner un petit peu, on aurait peut-être préféré un écran mat. Alors déjà l'interface visuelle, donc ici on a une sorte de textile un petit peu comme du cuir brossé qui du coup tient assez bien, et ici un aluminium brossé très joli, un petit peu gris marron, avec ici le logo Toshiba. À l'arrière, on va retrouver totalement donc le textile dont je vous parlais tout à l'heure, avec ici les petits points pour bien faire tenir l'ordinateur, il tient super bien. Alors on va aller regarder les composants sur les côtés. Ici, on a la prise d'alimentation, ici une prise HDMI, une prise USB 3, prise micro et casque. De l'autre côté, on retrouve encore deux prises USB 3, ce qui nous fait un total de trois prises qui sont totalement en USB 3. Il y en a une qui fait recharge, donc on pourra recharger un téléphone par exemple dessus. Là, on retrouve une prise RJ45 Ethernet avec une petite ouverture comme ça pour le brancher bien, pour garder sa finesse. Et là, un emplacement pour mettre un antivol. À l'arrière, on retrouve le système de ventilation, ici, qui est très léger, mais qui a l'air d'être suffisant. Donc, il est sous Windows 7, de base. Alors, on va l'ouvrir, on va voir un petit peu l'intérieur. Ici, nous avons une caméra de 1,3 million de pixels qui filme en HD, par exemple, pour aller sur Skype, avec le micro et le voyant de démarrage de la webcam. Tout autour ici, on a aussi une bordure brillante qui est à peine plus épais que la dalle. Là, on retrouve donc notre interface, comme je vous avais dit tout à l'heure, textile. Ici, tout ce qui est métallique, avec un grand clavier, avec de belles touches, qui est bien sûr en bordure comme sur les Mac et autres ordinateurs assez haut de gamme. Nous avons là des haut-parleurs signés Harman Kardon qui fournissent une très bonne qualité de son, avec de bonnes basses, de bons aigus, idéal pour regarder un film. Ils ont vraiment fait fort à ce niveau-là chez Toshiba. Au niveau des caractéristiques techniques, en le démarrant avec le petit bouton qu'il y a ici, bouton physique, on va avoir un processeur Intel Core i5 de 3e génération. C'est un 3317U pour Ultrabook. Donc c'est un dual core du coup en 1,7 GHz avec le turbo boost en 2,6, donc c'est très correct.
Au niveau de la RAM, nous avons de la DDR3, on a 4 Go de RAM. Il y a 2 Go de soudé à la carte mère et 2 autres Go qui sont dans un slot, un emplacement pour la RAM en DDR3 dessus. Au niveau du stockage, on a un disque dur de 500 Go en 5400 tours minute. On aurait peut-être pu avoir du 7200 tours, ça aurait été préférable. Épaulé d'un petit SSD de 32 Go qui est mis par défaut par Toshiba en tant que mémoire cache. On va pouvoir aussi le paramétrer pour mettre un OS, par exemple un système d'exploitation dessus. Après, c'est paramétrable à notre goût. Au niveau graphique, c'est pas exceptionnel, on a juste un chip graphique intégré au processeur, c'est le Intel HD 4000, bien connu, notamment sous Mac aussi, avec de la RAM dédiée jusqu'à 1,7 Go quand même. Au niveau de la Wi-Fi, c'est la Wi-Fi BGN, il y a aussi le Bluetooth, c'est assez puissant, ça capte assez loin. Donc le Bluetooth, c'est du 4.0. Au niveau de l'autonomie, on va être sur du 7 heures annoncé. Ça va durer à peu près 5 heures si vous êtes en luminosité maximum, avec donc une bonne luminosité, la Wi-Fi et que vous faites pas mal de choses, on va dire ça va durer 3 bonnes heures. Donc voilà, au niveau de la luminosité, ça peut aller de très bas à très haut, c'est pas mal. Voilà. Au niveau, donc j'ai déjà dit au niveau du poids, donc 2 kg, on a du matériel noble, quand même métallique, etc. C'est de toute façon, ce ne sera pas aussi léger qu'un ordinateur totalement en plastique. Alors on va retourner voir les caractéristiques. Donc ici on a installé Windows 7 Pro, mais c'est Windows 7 édition familiale qui est de base. Donc ici on retrouve le processeur avec les 4 Go de RAM. On va tester une vidéo. Hop. On va tester un film en HD, en Full HD même si l'écran est en HD, mais pour voir un petit peu la qualité de l'image qu'on a et l'énorme avantage d'avoir un écran en 21/9. On va pouvoir par exemple glisser 2 pages ici pour travailler simultanément. Donc c'est un des gros avantages de cette résolution-là qui est assez originale. Donc on va lancer un film, on va voir en même temps la qualité du son des haut-parleurs là qui est actuellement au maximum. Il y a Microsoft Office Starter qui est mis avec, à la base, dans l'ordinateur. Voilà, donc un film en Full HD, super belle qualité d'image. Donc ça va nous permettre d'avoir vraiment un film quand on l'affiche, voilà, un film vraiment sur l'écran en entier. Tu peux pas passer à côté, c'est du gâchis. Ouais, mais maintenant, moi, je rattrape. Comparé à un ordinateur avec un écran normal où on a des bordures noires sur les côtés. Donc c'est à peu près tout sur cet ordinateur. Donc au niveau du clavier, donc il ne fait pas de bruit du tout. Je vais par exemple tapoter dessus. Donc voilà, super simple. Il n'y a pas de pavé numérique, donc on va être obligé d'appuyer sur les touches directement. On va aller voir un petit peu sur internet ce que ça donne au niveau de l'écran. Voilà, donc on va aller sur un site sur Le Monde par exemple. Hop. Donc il y a des sites qui ne vont pas forcément prendre en compte les grosses résolutions comme ça, mais c'est assez plaisant d'avoir une image comme ça. Donc voilà. On va pouvoir par exemple mettre un écran comme ça, voilà, où on va avoir d'afficher la totalité d'une page internet, voilà. Comme ça, on a amplement la totalité. Et là, on va pouvoir mettre, par exemple, WordPad, par exemple, ou un traitement de texte qu'on va pouvoir adapter directement comme ça. Hop. Voilà. Et on va pouvoir prendre des notes ici en même temps d'avoir une page internet complète. Donc, c'est pas mal du tout. Voilà. Tac.
Donc on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Tesla en France. Et on apprécie cet ultrabook. Et j'avais juste oublié de préciser une petite chose, c'est qu'ici nous avons le lecteur de carte SD bien sûr. Donc ça reste un ordinateur complet, assez compact et très pratique d'utilisation. Et on apprécie aussi la finesse. Voilà, c'est un ordinateur tout simplement très joli. Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour de nouveaux tests sur Tesla en France.